rectangle. Bonjour, c'est Patrice de Mailly, journaliste à Libération, RFI et Télérama Sortir. Je vais donc vous présenter mes 10 choix de la chanson française et francophone. Pour moi, elle n'a pas la visibilité qu'elle mérite. C'est juste une des plus grandes. C'est Anne Sylvestre. Et la chanson, c'est Les gens qui doutent. Je sais pas, moi, que ça ne dérange pas, mais il y a deux chansons. C'est Les gens qui doutent et Une sorcière comme les autres. Une sorcière comme les autres dure 7 minutes 30. Et Les gens qui doutent est un peu plus courte. Alors, je sais pas comment tu vas. Bon, ça... Mais Anne Sylvestre, ça a été. Anne Sylvestre, pour moi, c'est un peu un coup de gueule parce que pour moi, c'est... elle n'a pas la reconnaissance et la visibilité qu'elle mérite. C'est-à-dire que, alors, on en parlait peut-être aussi tout à l'heure, mais le côté des fabulettes lui ont fait beaucoup d'ombre, puisque ce répertoire pour enfants a eu beaucoup plus de résonance et du coup a pris un peu le pas sur ses courriers, on va dire les courriers pour adultes. Et alors que, mais Anne Sylvestre, ça a été... Mais, alors c'est une écriture qui est quand même... qui est bouleversante, qui est subtile et qui est avant-gardiste. Faut quand même pas oublier que, par exemple, Anne Sylvestre a écrit 10 ans avant le mariage gay en France, Gay Marions-nous. Ouais, par exemple, elle disait que la Belgique était un exemple qu'il fallait suivre, à la fin de la chanson. Anne Sylvestre a écrit Non, tu n'as pas de nom pour l'IVG. Mais toujours en avant. C'est-à-dire que c'est ça qui était quand même assez incroyable chez Anne Sylvestre, c'est toujours ce côté. Hop, j'ai un coup d'avance. Et ce côté, cette chanson, pour moi, qui est la plus belle chanson sur les femmes et le féminisme, qui est Une sorcière comme les autres. Ça, c'est la chanson, mais... Et Les gens qui doutent, que je te disais tout à l'heure, qui est cette chanson qui était chantée d'ailleurs aussi magnifiquement par un trio qui s'appelle Vincent Delerme, Albin de la Simone et Jeanne Chéral, pour l'album en 2007 chez Tôt ou Tard. Mais pourquoi Anne Sylvestre reste boudée médiatiquement, elle qui a quand même été surnommée au début de sa carrière la Brassens en jupon. C'est juste vertigineux dans la manière d'écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à jeter. Et d'ailleurs, elle écrit, il y a une son qui est aussi là-dessus, qui est fabuleuse, qui résume très bien Anne Sylvestre. Elle est écrire pour ne pas mourir. Mais il faudrait tout, j'ai envie de dire aux gens, il faut tout écouter d'Anne Sylvestre. Il faut tout écouter d'Anne Sylvestre. C'est la seule personne que je n'ai pas rencontrée. La seule artiste que je rêverais d'en rencontrer et que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais interviewée. Je l'ai eue il y a 15 jours au téléphone pour une enquête. Les concerts et téléphones portables. Puisque Anne Sylvestre est quand même aussi une des rares artistes aujourd'hui qui en plus à 80, 82 ans, qui ne chante pas avec un prompteur. Alors que c'est une écriture qui est quand même très exigeante, mais qui ne chante pas qu'un prompteur. Donc c'est-à-dire qu'elle devient folle sur scène, c'est un téléphone, un flash. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai au téléphone. J'ai la chance qu'elle m'ait rappelé avant-hier et on déjeune ensemble la semaine prochaine. Donc ça, c'est pour moi énorme de rencontrer cette artiste parce que c'est. Oui, et j'ai envie de la rapprocher de Gréco dans ce côté aussi, dans ces artistes insoumises, c'est-à-dire vraiment qui... féministes, insoumises, qui sont vraiment des femmes libres. Et, ouais, je ne sais pas si un jour elle aura... Enfin, même, je pense pas, hélas, je pense pas que, voilà... par exemple, tu vois, le jour où Anne Sylvestre va mourir, ça va pas... Ça va pas, entre guillemets, exciter grand nombre de journalistes. Et c'est quand même vraiment, vraiment dommage. On prend un exemple. Donc, j'étais chroniqueur dans l'émission Didier Varro, regarde un peu la France. Et Didier me dit, voilà, tu veux faire quelle chronique? On recevait, l'invité principal était Christine and the Queen. Et moi, je lui dis Anne Sylvestre. Il me dit, oh, encore Anne Sylvestre. T'es chiant que t'as Anne Sylvestre et tout. Il dit, enfin, on reçoit Christine and the Queen. Ça fait quand même un gros décalage. Christine and the Queen qui est vraiment dans le côté de rue moderne. L'autre plus dans la tradition. Ça peut paraître vraiment un gros décalage. Mais tu vois, ça fait 80 ans d'Anne Sylvestre aujourd'hui. En plus, voilà, elle venait de sortir l'album live, son dernier tour de chant.
à la Cigale. Et donc, on reçoit. Et donc, je fais ma chronique. Et là, il y a cette réaction qui est fabuleuse à la fin de l'émission. C'est Christine the Queen. Pas ma chronique, on s'en fout de ma chronique, mais c'est. Parce que la chronique, il y a quatre extraits musicaux dedans. Et elle est scotchée par les chansons d'Anne Sylvestre. Et qui dit à la fin, mais attendez, moi je ne connaissais pas Anne Sylvestre, mais c'est juste. Mais c'est renversant, cette écriture et tout. Et elle est repartie, il y a un des programmateurs de France Inter qui lui a fait tout le disque dur, enfin, son disque dur, et lui a fait tout à partir d'Anne Sylvestre. Elle est repartie avec. Comme quoi, il faut que ça arrive. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Faut que ça arrive aux oreilles des gens. Et moi, ça m'embête, ça, parce que Anne Sylvestre, évidemment, ne passe sur un peu Inter, quand même, mais elle ne passe pas sur, elle ne passe sur aucune radio en France. Aucune radio en France. Elle remplit, bien sûr, de manière normale, en province. Évidemment, à Paris, ça marche un peu mieux, sur des salles un peu taille moyenne, genre Canino de Paris ou La Cigale. Mais il faut que ça arrive aux oreilles des gens. Et ça, moi, je trouve que ça, j'aimerais tellement que ça arrive vraiment aux oreilles des gens. Parce que, évidemment, je connais pas la terre entière. Mais quelques personnes à qui j'ai fait écouter, ils ont pris des claques. La chanson, c'est un artisanat aussi. C'est-à-dire, il y a un côté artisan des mots. Et je trouve que ça va, c'est pas indéchiffrable, comment dire, Anne Sylvestre. Donc moi je trouve que c'est mon petit coup de gueule, ce sera mon petit coup de gueule du truc, mais il faut qu'Anne Sylvestre ait cette visibilité. J'espère que ça va être peut-être post-mortem, mais encore, on n'écoute pas Anne Sylvestre en faisant sa vaisselle ou en regardant ses textos. Anne Sylvestre, t'écoutes ça sur ton canapé, au casque, et tu penses que et t'écoutes le texte. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. S'il vous plaît.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux.
J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Tac, 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 Isabelle Adjani, le pull marine. Oui, autre style. Donc, pourquoi Isabelle Adjani? Bon, Adjani, un album. Un album merveilleux. C'est-à-dire que quand tu vois, bon, j'ai pris pull marine parce que pull marine, tout le monde le connaît. Moi, j'aurais pu choisir Bonheur, c'est malheureux, Beau comme Bowie ou l'Ohio. J'ai pris celle-là parce que c'est une chanson... J'aurais pu prendre aussi Birkin, enfin j'ai pris Adjani parce que c'est, j'avais envie de Gainsbourg, parler de Gainsbourg et le travail qu'il a fait avec ses muses, c'est-à-dire qu'il a quand même un travail qui est quand même fabuleux, qui a laissé des chansons d'une aussi mélancolique, d'une puissance. Et c'est cet album d'Adjani qui d'ailleurs commence à être... avec Bruno Nuiten, en couple, ça parle beaucoup. Je te ferai plus pendre la star, qui a toujours ses coups de cafard. C'est finalement, y arriver à se mettre dans la peau de ces femmes ces femmes, c'est des stars, enfin plutôt des muses, des femmes incroyables. Parce qu'Adjani, pour moi, c'est la plus grande actrice française avec Annie Girardot. Déjà, Adjani, c'est quand même pareil. On parlait tout à l'heure de Bachung, qui était le plus victoirisé. Adjani est l'artiste française la plus césarisée, c'est-à-dire 5 films, hein, des films qui ont marqué la reine Margot, Camille Claudel. Et là, elle fait cet album, tac, comme ça. Et là, on a un chef-d'œuvre. On a un chef-d'œuvre fait par Gainsbourg et on a une chanteuse surtout qui a une voix qui chante dans le souffle. C'est-à-dire que Gainsbourg avait toutes ces chanteuses qui chantaient dans le souffle, comme Birkin. Birkin Adjani, ça chante dans le souffle. Et ça, je trouve ça, il y avait cette patte. Et t'écoutes le petit pull marine et tu dis. Il y a une petite réminiscence avec Fuir le bonheur de Peur qu'il ne se sauve. T'écoutes l'introduction des deux, le pull marine et Fuir le bonheur de Peur qu'il ne se sauve. C'est évidemment un petit peu ressemblant. Et moi, la première fois que j'entends cette chanson de Pull Marine, je pense que c'est Birkin qui chante. Tu vois, comme quoi, moi je me dis c'est Birkin. C'est une chanson de Birkin. Non, c'est Adjani. Et c'est une chanson où et moi, je pense qu'en tant que dingue de cet album d'Adjani, il y a une frustration de dire pourquoi... Et là, c'est pas mon coup de gueule, mais c'est mon côté frustré, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'autres albums d'Adjani. J'aurais tellement aimé de voir jusqu'où elle pouvait aller et j'aurais aimé réentendre un album de Isabelle Adjani. Et j'ai cru, sauf que pour moi, ça n'a pas été une bonne nouvelle parce que vu qu'il travaille, elle a travaillé. Alors bon, ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais Adjani devait sortir un album il y a 5-6 ans avec Pascal Obispo. Non, elle n'était pas contente du résultat, elle a refusé de le sortir. Voilà, je n'ai pas un amour fou pour Pascal Obispo. J'ai su qu'il y avait du Dao dedans, j'étais déjà plus un duo avec Christophe aussi dans cet album, finalement n'est jamais sorti. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas... qu'il n'ait pas cette... qu'il n'y ait pas eu de suite. Alors c'est en même temps, c'est peut-être pas plus mal non plus, parce qu'on aurait peut-être été déçus, ça c'est pareil, mais alors... Coup
unique, coup magistral. Là, pour le coup, c'est une chanson, c'est quand même, et c'est une chanson qui en plus qui vieillit bien. Chanson qui vieillit bien. Alex Baupin l'a repris sur scène dans son avant-dernier tour de chant. Enfin, tour de chant, on va dire que avant-dernière tournée, pardon, c'est mieux. Tour de chant pour Alex Baupin, ça fait un peu. Faut que j'arrête avec Anne-Sylvestre, parce que là, c'est plus tour de chant, mais on va dire l'avant-dernier concert d'Alex Baupin, il l'avait repris, et Alex Baupin avait dit, voilà, c'est ma chanson préférée au monde. Et voilà, et je pense que... Il y a aussi le clip, faut pas oublier non plus que, voilà, il y a aussi... On était en 83, il y avait encore aussi c'était le but des clips qui était vraiment très très lié aux chansons, et c'est quand même la... La première fois que Luc Besson, c'est Luc Besson qui tourne le clip du Pull Marine. Et ça, c'est quand même. Et déjà, on est dans l'eau. Et après, d'ailleurs, il fait tourner l'année suivante, ou deux ans après, il fait tourner Adjani dans Subway. Et c'est là qu'il se révèle. Et donc, tu vois, c'est ça qui est quand même assez. Ça va être incroyablement inspirant d'écrire pour Isabelle Adjani. Et on en revient toujours au travail de Gainsbourg qui savait. Gainsbourg n'a pas eu d'aventure avec Adjani, mais il a réussi à s'approprier sa personnalité, comme il a écrit des immenses chefs-d'œuvre qui sont pour moi encore, finalement, tu vas dire que je suis très obsédé par cette mélancolie, mais je disais tout à l'heure, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Il parle de lui, finalement, croire aux cieux, croire au Dieu, quand tout nous semble odieux. Il parle de lui, c'est-à-dire que quand Birkin se casse, quand il chante quoi pour Birkin, il parle de lui. Amour cruel comme en duel, dos à dos et sans merde. Casse. Ou le dernier album qui est pour Birkin, un enfant qui meurt, Amour défunte. Il parle de lui et c'est sublime, c'est sublime. C'est des chansons qui... On est encore une fois dans cette mélancolie abyssale, mais qui sont vraiment écrites d'une manière, d'une précision, et tout en touchant, donc il parle de lui, mais il touche à, tu touches encore une fois à l'universalité. Enfin, tu vois, t'écoutes Amour défunt, t'as toujours connu une chose dans ta vie, tu prends ces chansons-là, tu te prends quand même un sacré coup dans le plexus. Enfin, c'est ça qui est important, je trouve, et... Ou la javanaise, il danse avec Gréco chez elle, il rentre chez lui, et le lendemain, il revient à midi avec un texte, la javanaise, en dansant la javanaise. Enfin, c'est génial de pouvoir, on fait sa partie de ses génies, tu vois, Gainsbourg. Mais curieusement, je le préfère chanter par Gréco, par Birkin, par Deneuve... par Adjani, que voilà, que lui, voilà, je suis moins. Quand c'est lui qui chante, ça me. La javanaise par lui ou la javanaise par Gréco, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça reste un génie. Ça parti de. C'est lui, c'est vraiment. Si je devais te. Non, en même temps, je suis méchant parce que Melody Nelson est quand même un chef-d'œuvre absolu aussi. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Personne ne te voyait sous mon petit pull marine. M'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Thank you.
ce que je veux cacher. J'ai touché le fond de la piscine dans ton petit pull marine. Plus récemment, un chanteur qui m'a beaucoup... qui commence à creuser, on va dire, tout doucement un peu son trou en France. Déjà, il s'est installé pendant 8 mois à Paris, qui est Pierre Lapointe. Alors, j'aime beaucoup Pierre Lapointe, notamment les Pierre Lapointe seul au piano. Ça, c'est un chanteur que je trouve que, voilà, qui arrive à attraper une tradition un peu française dans la manière de son rapport au piano, de la mélancolie, même si c'est un garçon très créatif, tout ça. Mais pour moi, l'artiste québécoise qui représente une forme de créativité, oui, absolue, c'est Diane Dufresne. Alors, Diane Dufresne, j'ai choisi la chanson Le Parc Belmont, alors, qui n'est pas la plus connue de Diane Dufresne. Récemment, je suis allé donc au Francofolie de Montréal et il y avait la fête à Diane Dufresne à la Maison Symphonique. C'est-à-dire plusieurs artistes qui passaient de Diane Tell à Pierre Lapointe. Et Jorane s'avance sur scène et elle chante cette chanson de Diane Dufresne que je ne connaissais pas avant de l'entendre ce fameux soir dans cette fête à Diane Dufresne qui était juste un moment magique, vraiment. Et elle chante Le Parc Belmont. Et Le Parc Belmont est une chanson qui parle de la folie. Voilà, Le Parc Belmont est un célèbre parc d'attractions à Montréal. Qui était ouvert pendant 60 ans, qui est aujourd'hui fermé, mais qui reste un lieu, entre guillemets, historique. Et c'est une chanson qui parle de la folie. Et quand on connaît Diane Dufresne, c'est un peu la... Si on veut faire un rapprochement ou un lien un peu plus, entre guillemets... écoutable, parce qu'elle articule un peu mieux que Brigitte Fontaine, mais Diane Dufresne, Brigitte Fontaine, pour moi, c'est un peu la Brigitte Fontaine québécoise, Diane Dufresne qui est... Voilà, encore une fois, il y a juste une petite erreur sur la personne, c'est-à-dire que dans le... Pour tout le monde, encore une fois, si on faisait encore un micro-trottoir, et en disant, voilà, si t'es un son de Diane Dufresne, il n'y en aura qu'une. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Qui est pour moi la leçon la plus variée, la moins... Mais c'est la seule de Diane Dufresne qui passe dans les radios françaises, genre Nostalgie. Voilà, ce qui est dommage, parce que Diane Dufresne, voilà, qui peut chanter Oxygène, enfin, des choses qui sont d'une force totalement autre. Et donc on pense que Diane Dufresne est une artiste de variété, c'est-à-dire que voilà, l'homme de ma vie, ce sont de variété. Et il y a une erreur sur la personne, parce que Diane Dufresne, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus singulier que ça, c'est beaucoup plus fou. Enfin, c'est quand même une artiste qui a aussi amené cette folie sur scène. C'est-à-dire, sur scène, c'est jamais le même concert. Première artiste québécoise qui remplit le Stade Olympique de Montréal, 80 000 personnes. Enfin, c'est... faut le faire. Tout le monde était en rose, il y avait ce truc. Elle a des accoutrements qui sont pas possibles, elle a une certaine folie. Elle répond pas aux médias, elle reste un mystère. Et là-bas, Diane Dufresne au Québec, c'est un mythe, c'est quelque chose, c'est vraiment un peu c'est une icône, voilà, c'est vraiment le terme même d'icône. Alors qu'en France, en Belgique, je sais pas si c'est pareil, ça reste un peu, voilà, Diane Dufresne...
ça reste mis, voilà, ça reste aussi une visibilité un peu minime. Et donc on pense à Jean Renaud de ma vie, voilà, et on s'arrête là. Et cette chanson qui est... Et une version qui date de quelques années, peut-être ouais, 10-15 ans, avec l'orchestre du Québec. Et cette version est d'une puissance, avec des cordes, avec... Et là, il y a les rires machiavéliques dans la chanson de Diane Dufresne qui symbolise cette folie. C'est une immense chanson. Et pour moi, Diane Dufresne représente vraiment l'audace, c'est quelque chose d'audacieux dans son répertoire, mais il y a plein d'autres chansons. Mais celle-là, je choisis celle-là parce que celle-là, j'adore ne pas connaître quelque chose, et encore une fois, on en revient tout à l'heure, et être, à un moment donné, être attrapé dans les filets, mais d'une manière... et voilà, et cette chanson-là était quand même, je crois qu'au milieu de la chanson, et pareil, ça c'est toujours... C'est choses qu'on adore quand on est en concert et qu'on s'attend pas, et le public s'est levé en milieu de la chanson tellement que... Et moi je peux comprendre, parce que moi je me sentais porté, il y a quelque chose, il y avait un fluide que je ressentais intérieurement que je saurais pas expliquer, et qui me met, et les gens se sont levés en acclamant, en applaudissant en plein milieu de la chanson, ce qui est quand même quelque chose de très très rare, enfin tu vois, à un moment donné, mais les gens étaient tellement... Et Joran, là, en plus, la Joran a été épatante, et Joran fait partie aussi de ces artistes audacieuses qui essayaient plusieurs fois de... qui ont sorti plusieurs albums en France qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas eu du tout l'écho escompté. Et voilà, c'est parti de cette scène québécoise qu'on en discutait tout à l'heure aussi, mais qui était, on dit qu'un peu ce côté un peu tradition, un peu des fois un peu chiant, un peu. Mais en même temps, il y a des artistes comme Marianne Moffat qui sont quand même très plus pop, qui sont plus engagées, militantes. Lisa Leblanc, l'acadienne, qui apporte des choses, et la scène québécoise est très 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 riche entre ça et ce côté tradition qui plaît beaucoup plus là-bas qu'en France. Et voilà, et il faut peut-être pas non plus s'arrêter au fait que voilà, Québec égale chanteuse à voix. Il y a aussi ce côté, il y a un côté très cliché, c'est quoi, d'ailleurs, bon voilà, c'est très bien qu'il y ait Céline Dion qui n'est plus une chanteuse, qui n'est une star, enfin on est complètement dans... On n'est plus dans... C'est totalement... Hein, René meurt, ça prend... Ça rentre dans tous les foyers aussi. Mais... Ou Isabelle Boulay, ou le côté Starmania, qui était le premier lien entre... parce qu'il y a quand même un lien très fort quand même, entre la France et le Québec. C'est un peu... Je t'aime moi non plus, mais je t'aime. Mais c'est... Il y a un lien très très fort. Et Starmania était le premier, entre guillemets, premier côté rapprochement fraternel, avec ce mélange Michel Berger, Luc Plamondon... Et voilà. Et depuis, on a l'impression que voilà, ces artistes québécois, hormis quelques artistes qui sont passés sur les ondes comme Cœur de Pirate, mais voilà, il y a pas ce que bon, Diane Dufresne a quand même eu à un moment donné une exposition en France assez forte, mais plutôt plus années 70, au même moment que Robert Charlebois. Mais voilà, il y a eu Linda Lemay, voilà, qui était un peu du moins accompagné de manière assez forte par Charles Aznavour et Pascal Sevran, et donc voilà, qui ont fait connaître Linda Lemay. Mais depuis, j'ai l'impression que hormis Cœur de Pirate, que je le reconnais n'est pas spécialement ma cam, t'as pas l'impression qu'il y a un artiste québécois qui marche en France. Mais pour en revenir à Diane Dufresne, voilà, et donc Diane Dufresne, voilà, elle est revenue à 2 ans, elle a fait le Châtelet, je crois que c'était un peu bourré d'invitations, il n'y a pas eu de tournée, donc bon... Mais pareil, c'est un répertoire qu'il faut un peu, voilà, qu'il faut explorer, et surtout pas s'arrêter à Jean Renaud de ma vie. Et pour moi, le Parc Belmont est vraiment une... Ça représente bien le côté un peu audacieux de Diane Dufresne. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment faire ici pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que...
que j'ai fait au monde. Y a des jours où j'oublie qui je suis et où je suis. Moi, j'étais comme tout le monde. Je vivais ma folie doucement, sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde. J'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on m'amène au parc Belmont. Moi c'était ça la vie, c'était la fête, c'était bon dans ma tête. Et j'ai grandi, j'ai connu la vie, et j'ai choisi d'habiter. Je capte d'autres ondes. On n'a jamais compris tout ce que j'ai écrit. Je ne vois plus le monde. Entre mes murs tout gris, je fais ma chaise et mon lit. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Si j'ai pas le génie de Van Gogh ou de Vinci. Les yeux de la Joconde sont les yeux de l'esprit qui me poursuit dans ma nuit. Quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit viens, viens on t'amène au parc Belmont. Je savais où ils m'en est, mais j'ai rien dit. Il n'y avait pas d'autre sortie que cet asile où je vis ma vie. Un voyage organisé. Voyage au bout de la nuit. Quand je veux faire peur au monde, il y a des jours où je crie jusqu'à ce qu'on me dise, jusqu'à ce qu'on me tende. Il y a des jours où je brille pour que tout soit. Je m'en fais rien au monde. J'accepte ma folie comme une maladie. Ma guérison est lente. Si jamais je guéris, je prends ma chaîne, un fusil. Il a, je dois tirer. Comment tirer? Comment tirer au tarbé, non? Faut tirer. Et je regardais tomber du taille. Ça va être ma fête. Vous allez voir si je vois. Je vais voler.
Chanson suivante, Mano Solo, je suis venu vous voir. Alors là, on est dans la chanson qui vous laisse KO. Qui vous laisse KO parce que c'est un cri. Cette chanson-là, c'est un cri. Mano Solo, déjà qui a cette voix écorchée. Et cette chanson est un cri, on est en 1997. Mano Solo, qu'on a hélas, par certains médias, pas toujours relié à sa maladie, c'est-à-dire le sida. Mano Solo a une période de drogue, voilà, et donc il a attrapé le sida avec une injection d'héroïne. Il a chanté très vite, c'est vrai, dans ses albums. Des chansons que voilà qui étaient en rapport à sa maladie, ce qui l'ont fait un peu mis comme chanteur du sida, et c'est dommage parce que voilà, c'était pas, à un moment donné il a très mal vécu. Et donc là on a 97 et Mano Solo et Payapunk, il lui reste plus beaucoup, c'est-à-dire qu'il lui reste plus beaucoup de temps quand il écrit cette chanson Je suis venu vous voir, c'est-à-dire et c'est son nom, c'est Je suis venu vous voir, c'est-à-dire c'est un dernier. Voilà, je suis venu vous voir avant de partir, et il s'adresse au public, et voilà, et c'est un cri, la mélodie est pareil, crescendo, c'est magnifique, et voilà, et on pense que c'est la fin de Mano Solo, sauf que quelques mois après arrive la trithérapie. Et Mano Solo, du coup, prend, entre guillemets, un. Il y a eu des tensions, il y a eu des triples pontages coronariens, voilà, mais il y a quand même réussi, réussir, c'est pas, peut-être pas le mot, mais du coup, il y a eu une prolongation, voilà, puisqu'il est mort en 2010, donc c'est-à-dire quand même 13 ans de plus, et voilà, mort de plusieurs ruptures d'anévrisme, mais voilà, qui était lié avec un état de fatigue dû à la maladie. Et Mano Solo, je choisis lui, mais j'aurais pu en choisir un autre, parce que c'est parti quand même aussi de... Je trouve cette chanson-là, qui est un peu ce chanteur un peu... que j'aime beaucoup, qui sont des chanteurs qui ne trichent pas, c'est-à-dire qui sont des chanteurs cabossés, des chanteurs écorchés. J'aurais pu choisir aussi, dans la même lignée, Daniel Darc. Daniel Darc est aussi... un chanteur qui m'a bouleversé, c'est-à-dire qu'on n'était pas, il fallait les voir sur scène, c'était pas d'une précision incroyable, c'était pas d'une justesse de chant, on était dans le talk over, on était dans le cri, on était dans le spoken word, on est, et en même temps il y avait cette fragilité toujours sur un fil, il fallait voir Daniel Darc sur scène avec sa silhouette voûtée, ses tatouages. Et c'était toujours d'une phrase, et on pensait qu'elle allait tomber, et c'était toujours sur un fil, et en même temps ça créait des moments, des instants en suspension qui étaient fabuleux. Daniel Darc qui était revenu avec l'album Crève-Cœur, qui est aussi un album, j'ai envie de dire, majeur aussi de ces dernières années. Crève-Cœur avec des chansons comme La pluie qui tombe, Je me souviens, Je me rappelle, avec toujours un petit côté pop. Mais c'était des très grandes chansons. Donc c'est parti, c'est cette scène un peu des chanteurs, un peu où ça chante pas juste, mais on s'en fout, ça chante pas, parce qu'il y a tellement une écriture, il y a tellement une fragilité, il y a tellement une approche extrémiste du texte, ils y vont, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un calcul dans ces chanteurs, et c'est un peu pas c'est un peu le cas de, j'aime pas surtout, mais c'est un peu le cas de, c'est un peu le cas d'Arnaud. Arnaud, c'est quand même Arnaud, quand il fait des chansons, c'est métaphore un peu curieuse, mais les yeux de ma mère, voilà, c'est des cris, tout ça, c'est des cris qui sont quand même très forts, faits sans calcul, et voilà, et tout, et c'est Arnaud, ces chanteurs, voilà, qui ont un peu ces voix un peu soit goudronnées, whisky cigarette, comme voilà, Daniel Darc. Ou alors plus récemment Renaud, mais alors là on parlait du chant, Renaud c'est une voix qui est salement abîmée, qui est
où l'amplitude elle est vraiment, alors là pour le coup, minimale. Mais même si Renault c'est encore autre chose, parce que Renault c'est partie de la famille Renault. Mais oui, mais en même temps c'est cet oncle, tu as tout à fait raison. Et en même temps c'est cet oncle en même temps qui est cet oncle qui avec qui on a grandi, et cet oncle avec qui on a dîné, cet oncle avec qui on est parti en vacances. Et moi donc qui allais donc pour la première de Renault au Zénith, évidemment ça chante de manière gentille, très aléatoire, mais en même temps quel artiste a une telle puisse se targuer d'avoir une telle communion avec le public. C'est-à-dire que les gens mais s'en foutent que Renault à un moment donné ils sont là pour parce que leur oncle, comme tu dis, il aime pour toute leur vie, ils aimeront, et voilà, et cet oncle il a laissé tellement de, il aura tellement fait des présents. C'est-à-dire que c'est cadeau, ces chansons. C'est-à-dire que Renaud peut très bien te... Il parle aussi à travers quand tu chantes Manu. Manu de Renaud, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu. Là, je me suis rendu compte que c'est une chanson de concert qui marche très bien, et que quand tu vois 6500 personnes qui connaissent les paroles par cœur, que dès que le vent soufflera, c'est un hymne. Mistral gagnant, faut quand même pas oublier que c'est la chanson préférée des Français. Selon un sondage, Mistral gagnant a été élu chanson préférée des Français. Donc, tu te dis... et voilà, et quelqu'un qui est capable de finir par un medley et d'expédier avec un couplet, un refrain, des chansons comme La Mer à Titi, HLM, Hexagone, Miss Maggie, tu te dis... Wow, c'est que t'as quand même un répertoire qui est quand même juste colossal, de pouvoir se permettre de mettre dans un medley des chansons que n'importe qui mettrait dans un tour de chant, comme entre guillemets les classiques et ceux que tu peux pas enlever. Lui, il y a tellement un répertoire riche qu'il peut se permettre de mettre voilà ces 4-5 chansons dans ou laisse béton est dans le medley. Enfin, t'hallucines. Même limite, moi je dirais là-dessus, je te conseillerais de faire un petit changement, c'est que ces chansons où t'as envie d'entendre en entier. Ouais, laisse béton, enfin, toi, c'est pas rien. Et voilà, et donc il y a cette. On a une totale indulgence dans le qu'on n'aurait pas avec certains chanteurs dans le chant, parce que. Parce qu'on a une. Moi, j'ai une tendresse pour ces chanteurs cabossés parce qu'ils ne trichent pas. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ne trichent pas dans leur écriture. Et. Il y a aussi un album, parce que pareil, c'était, il y avait aucun calcul, il trichait pas, et c'est un acteur d'ailleurs ça qui, alors pareil, alors là pour le coup en termes de voix, quand tu dis éructé, je crois que c'était le summum, c'était Philippe Léotard, ouais, dont un Léo Ferré, il chante Léo Ferré, c'était pas rien, parce que là il y avait aucun paravent, c'est-à-dire il donnait tout, mais sans calcul, et ça moi j'adore ça, quand c'est sans calcul, même si c'est pas juste, même si c'est ructé, même si c'est la voix est... Mais alors, ce sont des trucs qui te laissent pas indemne. Personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. Toi que j'aime, que j'ai aimé, compagnon d'un jour ou d'une année. Déjà tu sais que dans mon cœur même moi j'y flotte encore. Violence et tendresse, mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis l'esprit avant d'être encore.
le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Avec du sang plein les orbites, et même du plastique sur la bite, je vais sûrement être calé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense de l'existence, cette engeance. Et s'il ne voit pas que je suis un ange, alors qu'il change de boulot. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la ganja, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne. Encore une fois, je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, priez pour moi. Rectangle.